I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here just to kill. Choose a winner who has flavor, looking out for style. Only the best can pass this test. Alors voilà, j'ai lavé mon visage pour ouvrir mes pores avec le Simple. D'habitude, j'utilise le. Tous les jours, j'utilise normalement le Ambi. C'est un nettoyant pour le visage. Voilà, alors là, je mets le miel. Je mets toujours le miel en faisant Circular Emotion. So, excusez-moi, je ne sais vraiment pas comment on le dit en français, mais je tourne comme ça avec mes doigts, quoi. Et. Je fais ce même geste partout, quoi. Voilà. Et le cou, faut jamais oublier, fait partie du visage, du soin de visage. Vous pouvez aller sur mon autre vidéo où j'ai expliqué pourquoi. Voilà, un peu la folle. Bon. Le masque, il est temps d'aller me rincer. Je reprends une autre douche. Parce que ça coule de partout. J'ai fait au moins une heure avec le masque, une heure avec mes cheveux. So, on va nettoyer tout ça. Et on revient. Vous avez déjà vu comment est-ce que... Oh, ça colle. Faire attention. En tout cas, je vais laver et mon foulard. Je vais tout laver. Voilà mes cheveux. A plus. Alors ce que je vais faire, c'est de faire un co-wash parce que j'ai envie de les garder moisturized avec de Herbal Essence. So, à tout à l'heure, j'y vais vite parce que c'est là, ça coule de partout. Alors, juste après... je suis trop contente, hein. Je vous dis, mes cheveux, ils sont... Vous devez tester. Vous devez vraiment tester, je sais que je ressemble à rien comme ça, mais bon. Je vous ai montré sur la vidéo comment est-ce que j'ai lavé mes cheveux. Alors, je vous ai montré aussi les cheveux que j'ai perdus. Franchement, je pense que je les ai pas comptés. Je peux pas aller chercher la poubelle. Je les ai pas comptés, mais je pense qu'il y en a eu peut-être même, je pense, 50, pas plus. Et franchement, cette méthode, c'est pour ça qu'avant, j'avais fait des vidéos pour vous montrer comment est-ce que, quand on peigne énormément les cheveux, comment est-ce qu'on perd beaucoup de cheveux. Et là, quand on démêle juste avec les doigts, on diminue le risque de perdre énormément de cheveux en démêlant. Mais déjà, la vidéo précédente... Comme j'avais expliqué, je suis restée pratiquement 3 semaines sans peigner mes cheveux. C'est vrai que c'était normal. La chute, c'était si vous devez multiplier en sachant qu'on perd des cheveux par jour, au moins 50 cheveux par jour. Alors, vous multipliez ça par en 3 semaines, ça donne au moins beaucoup de cheveux perdus. So, oui, ce que je disais. Alors là, vous avez vu rien. Alors je vous conseille plutôt, quand vous démêlez, moi j'ai démêlé sous la douche. Au départ, comme je vous ai montré, j'ai d'abord démêlé avec mes doigts, j'ai passé mes doigts, après j'ai mis mon miel, je me suis couchée avec. Le lendemain, la même chose, j'ai juste démêlé comme ça. Et mes cheveux étaient déjà, vraiment, ils étaient déjà bien démêlés. Voilà, alors en sachant que j'ai démêlé avec le peigne juste pendant que j'étais sous la douche en train d'enlever mon masque, mon masque protéiné. J'ai démêlé et après j'ai mis mon après-shampoing pour laver. Et franchement, mes cheveux sont super doux, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Alors maintenant... Je sectionne pour mettre le gel pour essayer de définir mes boucles. Voilà, je sectionne. Par contre, je vais vous montrer, au cas où vous demanderez, le vernis à ongles que j'ai utilisé. C'est le Number 7 que j'ai acheté à Londres. Voilà. Et par-dessus, j'ai mis ma base de chez Chanel. Un petit cadeau
de mon chéri. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le EcoStyle Gel. J'en prends vraiment un tout petit peu. Et je fais avec mes doigts. Voilà. Et je vais faire ça sur toute la tête. Le même geste à chaque fois. Alors je vous montre déjà une première partie. Regardez comment ça fait des petites boucles. Et je prends la brosse que je... La brosse, je n'utilise pas pour démêler en fait, mais j'utilise vraiment pour faire rentrer le gel sur chaque cheveu, sur chaque mèche, si je veux dire ça comme ça. Et que ça rentre bien dans mes cheveux et que ça boucle bien. So, voilà. Et je fais l'autre. Je vous montre juste une partie, comme ça, la vidéo elle est pas très longue. Et je vous montrerai le résultat à la fin. Alors, à la fin, vous allez voir, je vais utiliser le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux que j'ai eu, que j'ai commandé chez La Redoute pendant ma grossesse. Et franchement, il est super pour les personnes qui ont des boucles, que ce soit tout naturel ou les métisses. Bon, n'importe qui, mais quand on a les cheveux bouclés, ça donne non seulement du volume, mais en plus de ça ne détruit pas vos boucles, quoi. Vous n'allez plus pas vous retrouver avec des cheveux lissés ou trop secs, non. En tout cas, c'est super comme sèche-cheveux. Je l'ai commandé à La Redoute, vous pouvez aller voir. Le prix, franchement, je ne sais vraiment plus vous dire à quel prix. Mais oh non, je sais vraiment pas vous dire. Mais éventuellement, je peux, si vous voulez savoir, vous pouvez aller sur le site de La Redoute. C'était laredoute.fr. Alors, voilà le sèche-cheveux en question. Franchement, il est super. Ça m'a donné du volume et en plus de ça, sans défaire mes boucles. Et par contre, n'oubliez pas le protecteur de chaleur avant. Et j'ai mis à température froid. Je ne l'ai pas mis au chaud. So, voilà. Et regardez, je le mets. On tamponne, hein, en fait. Hein, c'est presque un truc comme ça. Et c'est super. Ça n'abîme pas vos boucles. Ça garde vos boucles. Et voilà. Et ça fait un peu plus de volume. Alors, vous pouvez voir sur La Redoute. En ce qui concerne définir mes boucles avec le EcoStyle Gel, je suis toujours pas encore très très fan parce que j'ai toujours pas encore atteint le volume que je souhaite en fait. Hein. Mes cheveux sont très touffus, j'en ai énormément sur la tête, c'est une bonne chose, mais je n'aime pas encore l'effet que ça fait. Pour moi, je trouve qu'ils sont pas encore suffisamment longs en étant crépus comme ça. Mais effectivement, quand je les lisse, c'est autre chose. Je préfère quand j'utilise ces cheveux et que je les lisse avec, voilà. So, voilà le résultat. Sinon, comme ça a l'air d'être bien. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ça va comme ça, mais la veille, je vous dis pas à la tête, hein. Mais bon, comme j'ai mis sur mon Facebook, c'est pas un truc pour moi et je pense que je vais chercher une autre solution pour définir mes boucles, mais pas avec le EcoStyle Gel, en tout cas. Pour d'autres, je trouve que le résultat est super. Mais pour moi, non. Alors, à très bientôt et je vous dis un grand merci. Gros bisous à tout le monde.